C'est la première manifestation animée par les amis du Forum Sévrien, cet espace citoyen qui veut favoriser les convergences entre l'art et la vie, la société et la culture. Et merci aux artistes sévriens qui vont animer des ateliers de dessin, peinture, modelage, écriture, conte, tout au long de cette semaine d'exposition. C'est un peu le mystère qui revient souvent sous sa plume. Et par exemple, dans cette citation de Lévinas qui le reprenait souvent, « Quand je rencontre quelqu'un, je rencontre un mystère. » Et Pierre, il insistait, il disait « C'est notre vie qui est un mystère. » D'un bout à l'autre, il disait. Et c'est sans doute pourquoi, et ça concerne tous les dessins qu'on voit là, il ne travaillait jamais dans son atelier d'après modèle vivant sans connaître un peu la vie des personnes qui acceptaient de poser pour lui. Donc les bronzes ou les plâtres que vous voyez ici, ils ont tous été inspirés par des femmes dont ils connaissaient un peu l'existence et l'histoire, et qui s'exprimaient librement et qui prenaient des poses spontanées. Il n'a jamais imposé de pose à ces modèles. Mais alors, à côté de ces femmes vivantes, de ces exemples de femmes histoires, comme il disait, il aimait se référer à un mythe, c'était celui des trois grâces. Les femmes qui, seules ou avec leur compagne, à elles trois, elles incarnent la beauté du corps féminin. Elles portent chacune une idée, mais qui est lisible en regard de celle des autres. Et il y en a un petit aperçu là, dans il y a un petit bronze. C'est la femme qui contient le mystère qui échappe à la raison. Ça, c'était son idée, que la femme était un mystère. Il écrivait au cœur de la matière, au plus profond, se trouve le mystère. Au cœur de la matière, il y a toujours, parce qu'il y a toujours un mouvement, un devenir au-delà. Le cœur de la matière cache de multiples possibilités. Et en art, par exemple, chaque matière possède son caractère et c'est dans ce sens qu'elle a ses limites. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces dessins ont leurs limites. Dans ce sens, ce sont de simples esquisses. Elles vont de la silhouette du corps, là-bas il y a beaucoup de silhouettes, jusqu'au regard perçant du visage, et les regards là qui sont plus forts. Elles sont faites pour suggérer un mouvement, un au-delà, plus que pour montrer ou démontrer. Et lorsque Pierre et moi, on regardait à Pont-Scorff sur le mur du fond de la salle du rez-de-chaussée, où ceux qui sont venus à Pont-Scorff voient ce que c'est, la dizaine de bronzes féminins qui se sont installés, on se disait tous les deux, vraiment, leur nudité et leurs vêtements. Et à chacun d'entre nous maintenant d'interpréter ces vêtements, voilà. À chacun de comprendre, finalement, et ça je reviens, à ce que Emmanuel avait mis sur l'affiche, à chacun de comprendre que la femme est vraiment femme lorsqu'elle aide à résoudre les énigmes et à tourner les maximes. Selon Georgie. Selon Georgie, mais selon Pierre aussi. L'esprit. Nous sommes heureux d'accueillir les amis de Pierre de Gros au vernissage de cette exposition, La femme dans l'œuvre de Pierre de Gros. Ce soir, c'est dans ce sens qu'on peut regarder les dessins de Pierre sur la femme. Un jour, j'ai peint une femme, la tête, comme un portrait, avec des cheveux roux. Depuis, je me dis qu'une femme rouquine contient dans sa tête plus de secrets d'amour qu'une femme blonde ou brune. Mais ce n'est qu'une idée. Donc tous les bronzes et les plâtres qui sont là, ils ont été inspirés par des femmes qu'ils connaissaient et qui s'exprimaient elles-mêmes en prenant des poses spontanées. Vous pourrez aussi, pour choisir votre position, regarder les dessins et essayer quelque chose que vous voulez. Je ne vous conseille pas de faire un personnage debout. Hein. La taille, un petit peu les fesses aussi, tu vois, et on voit quel est l'endroit. Si c'est une femme, il peut y avoir un peu de poitrine. Je peux aussi faire une petite boule, que tu viens coller. Tu peux faire ça, ou bien tu déformes. Deux secondes, tu marques un petit peu la taille,
et un petit peu les fesses derrière. Alors, tu vois, tu peux faire glisser la terre comme ça pour venir en accumuler ici et avoir une petite bosse. On a souvent tendance à faire ça. Là, tu es sur le bassin. Après, ça va faire un désordre. Donc, tu fais. Alors, et vous essayez. Alors, dans les statues, en général, on dégage les plans. Je suis heureux de vous recevoir dans cette humble demeure. Je vais vous montrer avec plaisir les fresques de cette maison. Elles sont merveilleuses. Après la contemplation de ces femmes, de ces dessins de pierre, les œuvres d'art peuvent être dangereuse. J'ai vu que le sous-titre de cette exposition est une parole du livre de la sagesse qui parle de l'intelligence, de l'astuce des femmes. Alors, allons voir ce qu'il en est. Moi, je n'ai dit qu'à Eleonora, qu'à Madame Eleonora.